Ok, c'est parti. Une autre partie du tournoi organisée par DLC nerfé. Donc cette fois-ci, c'est qu'on a l'air un peu plus bon, même globalement qui est plutôt bon, ouais. Donc c'est Glorious Spam, comment Glorious Spam 50% les stadiums. Bon, sous tout de merde en fait, ça s'appelle Tech B. Et alors, on a fait les settings et tout ça, les réglages, donc ça c'est notre première partie. C'était moi qui pouvais choisir la carte et tout, et c'est vraiment mal tombé pour lui parce qu'il a pas de deck mécanisé, il avait pas banni Hell in a Verity Mode Case, donc en anglais, bon. Voilà, sinon c'est. Je crois que c'est. C'est un enfer dans tout petit espace, c'est ça? Je sais pas s'ils ont changé le nom, enfin en tout cas, c'est cette carte que vous prenez. Vous voyez ici. Et il a joué, il a pris l'ombre du coup. Alors que moi j'ai autant mécanisé, donc autant dire que. Je ne donne pas cher à sa peau quand même, parce que. Ouais, ça va être très très dur. Contre le mecha de. Contre mon deck mecha. Autant mécaniser, autant mécaniser, c'est un deck tellement puissant et. Enfin, surtout sur cette carte, il a pas le moyen vraiment de jouer avec des tanks, de me bloquer. Et donc, ça risque d'être dur. Ouais, ça risque d'être dur pour lui. Et il est même pas qu'un peu, on va dire. Donc j'ai vu, il prend beaucoup de. En plus, j'ai pu regarder son deck. Pardon, son deck, globalement, c'est un deck de shoot plutôt standard. Le truc intéressant que j'ai vu comme gros défaut, c'est qu'il n'a. Il n'a pas de cible. Il a que des DCA. Radar. Du coup, avec le puff, je pourrais faire un massacre et à contrario, lui, il ne pourra jamais détruire mes traquets de rapier et fait ça, hormis évidemment s'il est trop près. On pourrait pas le détruire avec ses avions, en tout cas, fait signe. Du coup, je pense que c'est une partie qui est. Je veux pas qu'il y ait Victor Trotto, mais quand même qui est à moitié terminée. Parce que là, il va venir, il va être extrêmement désavantagé. Ce sera quand même beaucoup plus facile pour moi d'attaquer, de percer. L'infanterie est hyper puissante, donc du coup. Ouais, je suis pas trop mal, hein, pour ce premier duel. À voir s'il essaye, disons, de mettre quelque chose de particulier. Peut-être qu'il va me surprendre. Probablement même qu'il va essayer de me surprendre, parce que là, si. S'il joue standard, s'il joue standard, faire. Autant de points sur chaque zone, il risque de me faire avoir en toute partie. A voir. J'ai 180 points encore à mettre, je ne sais pas du tout où mettre. Peut-être aussi un regard ici sans être assuré et... un peu plus d'infanterie. Vous avez beaucoup d'infanterie, 3k1, mais bon, pas énormément. Ok, je suis prêt maintenant. On garde 15 points à côté. Bon, les 15 points, c'est au cas où, parce que je vais pas acheter un revêt de 90, ça serait assez inutile.
Ok. Je vois pas trop d'utilité. Je vois qu'il tente quelque chose de très très lourd ici. Ah oui. Ok, je vois. Bah, direct envoyer le puff. Sais que c'est son avion, mais son hélicoptère là. Pas vu son hélicoptère partir. Ah, petite erreur de micro. Question. C'est pas grave. Ouais, mais c'est vrai qu'il commence à déconner là. Le gros spam de Dragonnar, c'est magnifique. Ah, ça va se bouffer des tirs de support, ça va vite crever. Mais non, je dois quand même être... attention, peut-être qu'il va bombarder tout ça. On va voir. Beaucoup de fumigène pour empêcher la TGM de tirer, c'est plutôt bien. Le gros headshot, ça c'est bon. Ok, c'est tout ça. Sinon, c'est que Jack m'a laissé bravo. Non, ça se rend, faut vraiment que je fasse gaffe parce que si il me détruit un tank en étant à 2 contre 1, ça pourrait vraiment mal se passer. Allez, tire. Non, c'est bon, là, c'est trop tard. Oula non, c'est un beau tir. On va capturer, bravo.
vois des tanks qui passent vers Charlie. Bon enfant. Ok, on va garder le Tchoumat ici. Pour rien qu'à un. Il y a un monde derrière, hein, que ça va être un peu chiant cette zone là. On va tenter d'attaquer tout ça avec le Thunderbolt. C'est quoi ce timing, sérieusement? Ok, le timing le plus chanceux que j'ai jamais vu. Ce timing de ouf, quoi.
Sinon, ce duel il va être gagné par les infanteries. Oula, mauvais coup de chance que son Jäger 90 ne touche pas. Vraiment là, ouais, puis tout va bien parce que j'ai les zones. Là, il peut pas trop attaquer parce que sinon il risque des tirs de TGM. Je vais acheter des. Essayer de stunner tout le monde, bon, ça marche pas très. Enfin, ça marche assez, mais. Surtout nous. Tu vois, c'est vraiment un vrai spam de Léopard. Après, vraiment, les guerriers sont quand même meilleurs que les par deux, donc je pense qu'à ce petit jeu là, je m'y mets. Ah non, c'est vrai, maintenant ça sert même à rien que je blind ça. Et que je sais que quoi qu'il arrive, c'est toujours moi qui vais être vainqueur entre guillemets de ces duels. Enfin, non, mais ça. Oh putain, j'ai n'importe quoi. En tout cas, je sais que. Son infanterie, enfin, il n'a pas de cible, donc ça sert à rien. Non, je sais pas. Je sens un peu moins sur le tir. Ah ouais, il y a un tir gratos. Donc, en aucun. Bardella, c'était pour plus tard. Ouais, je qu'attends que l'ennemi s'en va. Va le passer sous le pont. Avec ça, il pourra pas vraiment le tuer facilement.
C'est vrai que j'ai un peu peur, parce que là, ouais, effectivement, la bonne réaction. Tire l'article, même si ça fait très mal. Ça va niquer tout le monde. Ouais, je sais pas si ça va suffire, parce que bon, quand même, cette carte, je peux vite en envoyer d'autres, en fait. C'est un piège. Ah là non, encore c'est... Ouais, je pense que je passe pas... Ah si, si ouais, je passe... Ah, couvert assez vite. Oh non, le pété en K1 encore comme ça, putain. Ah merde, je fais une erreur, j'aurais pas dû tout faire ça. Ça me coûtait un avion. À moins que le sien meure aussi. Évidemment, j'ai pas de chance. Oh non, putain, sinon j'avais de chance.
Ah non, surtout pas. Oh non, panne d'ordi, non mais c'est pas possible, j'ai vraiment que les merdes, quoi. Tu pourrais bien, s'il te plaît, toucher, putain. Oh là là. Ouais, j'avais pas utilisé ce deck avant, je savais pas du tout venir avec un deck que je connaissais pas du tout. Oh non, c'est ma balle PC, c'est vraiment le pire.
C'est chaud. Après, non, c'est pas si malin, parce que quand même. Ouais, c'est le spawn de Dragon Lord, c'est vraiment que je compte ça avec beaucoup de Bardinas. C'est sinon d'être mort là. Plus que j'arrive à revenir un peu. Non, Foxrot, après Foxrot, c'est vraiment une zone dure à gérer. Dure à prendre surtout. J'ai eu énormément de chance sur les DCA. Je me dirais complètement hors de position, ça c'est bien. Putain, il a pété tous mes unités. Ouais, c'est le buff conclu. Oh non, putain, il m'a piégé.
Je sais pas si je peux monter, ouais, non, ça va, je pense que c'est. S'il n'y a pas d'autre unité d'infanterie, je peux abattre le calme. Pardon, non, enfin, non, c'est pas le cas. Ouais, je pense que si j'ai. Ah, oh, il s'enfuit toujours vraiment son magasin. Je pense que ouais, j'aurais dû acheter des éléments plutôt. Ça m'a fait sortir de ça. Tu peux arrêter de faire de la merde et... Oh putain! Ouais, j'ai pas trop aimé quand même ce de dire j'ai comme ça alors que c'était pas encore joué, mais bon. Ça l'était à moitié, on va dire. Ah, dans quoi? Je peux pas le voir d'ici? Mais c'est incroyable. Ah, mais c'est vraiment super furtif, cette merde. Ouais, j'ai pas assez joué sur mes avions, ouais, j'ai fait de la merde avec un peu. J'aurais dû partir plus vite sur un chasseur. Si j'ai mal géré son spam de Dragonnas. Ok, bah du coup on va aller dans sa deuxième, on n'a pas le temps de voir les choses. Allez, à plus.